ce qu'on veut. Je vais open avec Pan, tiens. Allez, c'est parti. C'est parti, les frères. Belle première game. Merde, ça bug. Ok. Oula, non, non, les gars, vous avez compris. C'est pour rigoler. Je vais quand même monter le son parce que j'ai peur que ce soit trop fort au niveau de la... Voilà, c'est bon. Non, non, c'est bon, j'ai mal compris ton message. Ouais, bon, par contre, oh, les chargements, mes frérots, mais je suis en train de jouer contre qui, là? Un gars du Zimbabwe, ou... Il est avec son PC Acer, ou ça se passe comment, là? Non, frérot, faut vraiment pas le Zenkai de Gohan Revive LF, t'es fou, la team métis, ça va être beaucoup trop cheaté, après. En Pride, tu vas partir avec ça et tout, c'est... Ah ouais, Dan, tu finis quand, mon frérot? Problème avec le Zimbabwe? Tout à fait. Comment ça, cousin? Allez, on va voir ce que ça donne. Bien joué. Alors, je pensais pas qu'il allait... Vous voyez, ça, c'est un point très important. C'est avec l'arrivée de ce Gohan, les joueurs ont beaucoup plus peur. Ben là, vous l'avez vu, hein. En fait, il a pas laissé Gohan sur le terrain. Donc ça, c'est un point, tu vois, qui est excellentissime de Gohan. C'est que... Il fait peur, en fait, tu vois. Il fait peur au Gohan Ultra. Bon, par contre, il lag énormément, hein, je vous le dis d'avance, la game lag. Mais du coup, voilà, quoi. Tu vois, enfin, voilà, quand tu vois les lags, t'as envie de péter ta tête, hein. Ligne verte. Ok, Migaté. Le soin qu'il a d'ailleurs. Bah, il est mort là. Ah, ok, ok. Je croyais qu'il a les blasts. Migaté, 8 étoiles. Hein. Donc, on a exactement les mêmes étoiles. En fait, là, je pense que c'est le moment de main ulti. Hein. Je crois qu'il est 8 aussi. Il met des dégâts. Avec Pan, les gars, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, vraiment un truc de fou. En dehors des lags, là, c'est... Ça, c'est tellement fort, ça. Bah, il est mort, là, je pense. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bah, si je l'avais boost d'art, peut-être que là, il serait mort, en vrai. On va switch, on va envoyer le beast. Il va pas de côté, on va strike. Le move totalement raté. Ah, bien joué! Je pensais à la one tap et qu'il allait attaquer directement. Et donc j'avais esquivé. Mais non, c'est bien joué. Ok, c'était sûr ça. Ok. Ok. Bon, on a la survie dans tous les cas. Salut à tous ceux qui arrivent, les gars. J'espère que vous allez bien. On est en test là, du coup, pour la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui veulent faire les petits cucu. Aïe aïe. C'était. Ouais, mais les mandales qui met, frérot, regarde. Ouais. Bon, par contre, j'avoue que les blasts. Là, c'est... On est sur une... Une dinguerie monumentale. Monte là. Ouais, bon, bref. En dehors des lags, c'était une excellente game. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que là, putain, les lags... Ouf. Passons à la game suivante, là, parce que... Là, je reconnais, c'est pas mal. Gohan Beast 14, Gohan Ultra 14. Bon, il a l'autre Gohan qui est peu étoilé, mais... Là, les items sont bons et tout. Bon, après, c'est que le banc qui est ok, mais c'est cool. Bah là, Imran, ça va dépendre de ton taux de victoire, tu vois, si tu gagnes assez souvent. Là, vous voyez, la team en face, par exemple, ça, c'est propre. Ça, c'est vraiment propre. Ça, c'est vraiment propre. Là, c'est fort, tu vois.
On va tenter l'aspect là vite fait. Je me dis s'il attaque direct. Ah, ça lag. Aïe 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 aïe, ça lag. Donc vous voyez, ça c'est bien hein, le fait d'avoir la cover avec Beast. Ah, ça lag. Parfait, là on est bien là. Ok, Gohan. Attendez-toi là. Ah, tu vois que la mise. Si tu mets en place le perso, tu vois que ce perso il va. Tu m'étonnes que Gohan le craint. Tu m'étonnes, frérot. Regardez, il est 14 hein, le bis là. 14. Déjà, bah, c'est vrai qu'il a. J'ai dû le remplir à la jauge en fait. Donne-moi du support. Vas-y. Bah c'est pour ça il me rend alors. C'est pour ça. Ok, il est 14. Ok, donc là il y a le soin avec les vertes. Vous imaginez quand même que tous les Gohan sortis ont niqué le jeu. On s'en rend compte quand même ça. Oh là là, il a fait une verte devant moi. Très bien joué ça par contre. Et là, bah on va prendre cher, hein. Ça va. Heureusement, ça va. Regardez les blasts. Regardez les blasts. Il est 14, Gohan. Hein. Je me répète au cas où. Ah, mais il lag. C'est horrible. C'est horrible, les lags. On va envoyer pendre, j'ai pas le choix. J'ai pas assez réduit le délai de mise en attente. Mais en termes de dégâts, putain la dinguerie. Ah, Golden il est toujours aussi fort, ouais. Moi je l'ai mis 5ème dans mon top. Mais je l'ai même pas, tu vois. Donc imagine si je l'avais. Me dis pas qu'il va. Ok, il perd un perso déjà. Alors je vais tenter un move là. Il m'a détruit la verte à l'entrée en scène. C'est pas ce que j'allais faire les gars hein, mais il m'a détruit la verte. Ah, je suis dévasté. Il m'a détruit la verte, j'allais verte et justement Rising Rush en fait. Je voulais freeze, voir ce qu'il allait faire. Bah il m'a bien baisé. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Il m'a enlevé la TP, mais je lui ai enlevé aussi. Aïe, aïe, aïe. Avec les lags, c'est dur, hein. C'est très dur. Oh, c'est bon, il a spé. Vous voyez les dégâts de son Gohan aussi. Je fais quand même attention au cas où il a une spé pour pas... Parfait. Magnifique. Ok, bon j'ai reset le combo, hein, c'était l'idée. Et du coup la l'ulti sur un Gohan Beast 14, mon perso est 8. Ah là là, avec Pan par contre, c'est vrai que ça fait mal. Hein. En termes de dégâts, avec Pan, il n'y a rien à dire. Hein. Là, le Gohan Ultra était 14, Gohan Beast était 14. Bon, c'est pas la meilleure team qu'on a pu affronter, mais... Mais en termes de dommages, le perso, c'est un truc de fou. Et encore, je n'ai pas boost d'art et il n'est pas 9. Et à 9, on a le rehaussement des stats. Donc ça, là... On a un sniper qui snipe. Bon, là, les items sur le
sur le Boom à l'incarné, c'est genre parfait. Hein. C'est les trois meilleurs à mettre si tu joues avec Golden. Donc en l'occurrence, c'est du perfect. Golden, perfect. Ah ouais, mais je suis con. C'est moi qui lui ai donné les items, les gars. Suis-je con? C'est normal que tout soit bon. C'est le seul endroit où vraiment je peux flex. C'est vrai, c'est moi qui lui ai donné les items. C'est logique. C'est logique, c'est logique. C'est un arc, c'est logique. Elle a fait le taf longtemps en plus d'avoir été donnée gratuitement. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a été donnée gratuitement ou pas, hein. C'est un élément qu'on oublie de préciser. C'était encore quand les devs savaient faire des cadeaux. Aujourd'hui, maintenant, ça nous sort des portails. Ça nous spamme comme des teubés. Bon, par contre, sa team va nous rouler dessus. Hein. Il a double revive. Et un énorme défaut, c'est qu'on n'a pas de... Enfin, on a une survie, mais lui, il a double revive, tu vois. Golden Aegis. Le pas de côté de Golden me fumera toujours autant. Bon, les dégâts sont ouf, hein. Ah, les dégâts sont ouf. Bien joué. Bien tempo, ça. Très, très bien tempo. Bon, Golden... Oh, Golden, faut absolument que je le drop. Les gars, je vous jure, Golden, faut vraiment que je le drop, hein. Ah, j'ai laissé. J'ai su que c'est trop tard. J'ai hésité. Ah, Golden, hein. Là, ils m'ont dit, mais Golden, Zaraki. Mais je comprends pas. Pourquoi tu remets encore... je vous jure, hein, ça m'a dit ça dans les commentaires de la tier list. Mais pourquoi tu mets encore... Tu mets encore Golden devant truc. Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Ça arrive, mon frère, ça arrive. Bon, par contre, Beast, Ultimate Gohan. Est-ce que là, il tue? Ah, je pense pas à cause du Dead Genkai. Les dégâts sont bons, hein, par contre, honnêtement. Les vers de Golden, t'as envie de lui niquer sa grand-mère. C'est un truc de fou. Golden, c'est vert, frérot, c'est... C'est Obélix, frère. Il est tombé dedans quand il était petit. Dans la marmite, frère. Mais c'est quoi, ça? C'est normal, ce perso. Il fait serrer, gros. Il fait serrer, ce perso. Bon, là, du coup, on est mort. Hein. Là, j'ai fait un clash désastreux, vous connaissez. Hein, le Zaraki clash. Mais et c'est d'ailleurs ça qui est très fort, hein, avec Golden. C'est que quand il perd le revive, il te met des dégâts. Sauf qu'en plus, il a... il a Gohan, en fait. Il a Gohan, il a... Il a, je voulais dire, Nappa, qui a un revive aussi. Après. Bon, par contre, quand on attrape, je pense que ça se voit qu'on fait bobo. Moi, je le gêne avec ses 18. Putain, quelle vie. Ah, mais toi, après, t'es un main waifu, frérot. Qui est main waifu dans le jeu? T'es seul. Voyons voir les dégâts. Son Nappa revive est étoilé. Je suis en dernier combattant. Je lui fais un main ulti. Il avait plus d'esquive. Étoile équivalente au boost d'art, je l'aurais tué. Ah, même je le passe 9, il est mort. Là, je vais volontairement strike. Monte la spéciale, passe là. Ah, il a... Ok, ok. Okay. Bon, globalement, on a quand même une belle game, là. Gohan a fait un bon boulot, mais malheureusement, en face... Vous savez, le seul problème de la team adverse, c'est qu'il y a trop de revive, en fait. Pour la team que je joue, hein. Il y aurait eu Gohan Ultra, peut-être que j'aurais mieux géré. Mais je peux pas tuer 6 barres de vie, en fait. C'est juste pas possible. Enfin, 5 barres de vie. Je peux pas tuer... On va regarder les étoiles, hein, mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, c'est étoile diff. Voilà. 11 étoiles n'a pas, donc bah, je vous le dis d'avance, hein, mon Gohan Beast... mon Gohan Beast, j'ai un problème avec ça, hein. Mon Gohan Ultra aurait été 9, il est mort. En gros, il aurait été mort sur l'ulti, je l'aurais one shot, parce qu'il était full life. Et Golden est 10. Donc honnêtement, ce que je mets, bah voilà, hein, son bout il est 8. 7, pardon, mon perso est 8. Vous voyez la différence d'étoiles, il y a une étoile près. Les dégâts qu'on lui mettait dans la gueule, donc bah voilà, hein, les autres persos, c'était du très très bon ce qu'on a mis. Mais bah, quand t'enlèves une barre de vie qui te met des dégâts, sachant que ma team est quand même très peu défensive, sachant qu'il a un autre revive, faut que je nique 5 barres de vie.
Donc, voilà ce que je voulais. Magnifique. On va se faire défoncer, mais magnifique. Voilà. Game parfaite. Donc, je peux comprendre hein, que pour toi, mettre des sous, et encore une fois, pour dropper le perso, surtout à 3 étoiles, c'est une honte. Mais malheureusement, c'est un gacha, et oui, tu as raison, c'est honteux, mais malheureusement, c'est un gacha. Et tu sais où tu mets les pieds, en fait. Hein. Ah bon. Donc, en tout cas, la team, elle est très belle. Alors, qui switch tout de suite. Je suis très surpris, mais très bien joué. Et là, vous voyez, je peux pas... En fait, c'est toujours le même problème. C'est, ouais, Gohan, il est trop fort. Ouais, ouais, d'accord. Mais là, je fais quoi, là, dans cette situation? Je peux rien faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Gohan, en fait... Ouais, t'as le Gohan violet, t'as l'aspect au bon moment, etc. C'est... Ouais, c'est fort. Mais frérot, c'est pas toi qui contrôle ce que font tous les joueurs. Hein. C'est un point que... C'est trop facile de dire, ouais, mais en fait, tu prends une spé, mes trucs. Mais ouais, mais si. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, le joueur, il sait jouer aussi. Hein. Et là, il veut pas que j'attrape son Gohan. Je l'attrape pas. En fait, c'est... Je trouve, ça, c'est un point qui est assez important à dire, mais c'est un peu trop facile de parler de que quand tu domines, tu vois. Genre, le joueur, il a pas le droit d'être bon en face. Vous voyez ce que je veux dire? Les joueurs, ils ont un niveau de jeu aussi. Hein. S'il veut pas que tu lui attrapes son Gohan, que tu le full domine pas, tu vas pas l'attraper. Hein. Par contre, les dommages... ça lag. Attends, lâche. Ok. C'est qui m'a dispel là? Attends, comment ça fait que j'ai pas tué là? Comment ça fait que j'ai pas tué les gars là? Ça fait deux fois que ça m'est arrivé ça. J'avais la jauge les gars. Elle était remplie la jauge. C'est pour ça que je dis ça. Hein. La jauge était remplie les frères. Ah, j'avais pas la jauge en mode attaque, my bad. My bad, je l'avais remplie mais c'était la jauge. My bad, j'ai rien dit. C'est pas grave. Bah tant mieux, ça reste bien ce genre de moment dans la vidéo. Au moins ça montre que bah, tu contrôles pas tout. Hein. Une fois de plus. Contrôle pas tout en fait. C'est super important. Parfait, bon par contre là le fait de... Le fait de lui enlever le... Ouais bon bref. Le fait, vous voyez là on avait quand même une team qui était étoilée. Le fait de lui avoir enlevé le Gohan assez rapidement nous a mis trop bien. Parce que derrière on a plus ce délire de on peut plus strike, il peut nous spé, il peut nous contrer. En fait on est beaucoup plus serein les gars. Et ça c'est vraiment ça. Bah c'est pas mal du tout. Et ça je reconnais un sniper quand j'en vois un. Je reconnais un sniper quand j'en vois un les gars. Et il y a encore Gohan Ultra. Eh oui les gars, c'est, de toute façon c'est simple. Gohan Ultra c'est à la fois le meilleur allié de Ultimate Gohan, quoi. Tout simplement, les frérots. On peut payer pour retirer le VIP. Ah ouais, ça va faire un marché de VIP. Oh, je suis mort. Vous voyez, cette team-là, elle est quand même beaucoup plus forte que la mienne. Ça passe, hein, non? Oui, même la tankiness est beaucoup plus équilibrée. Beaucoup plus propre. Bernard, fais pas le gamin, s'il te plaît. Ok. Il a bien joué le move, là. Aïe, aïe. Est-ce que j'aurai le temps de main? Par contre les dommages on en parle ou... On attend demain.
Comment son Gohan, son Ultimate Gohan peut mettre autant de dégâts? Alors qu'il est 6 et le mien est 8. Voilà, là ce que je vois c'est déjà plus cohérent. Ça passe. Ouais, les tartes qu'il met, par contre, c'est un délire. Hein. Les tartes qu'il met, c'est vraiment un giga délire. Hein. C'est vraiment, vraiment un giga délire, les tartes. Là, on est étoile équivalent. Ah, il est mort, là. Ouais. Les tartes qu'il met, c'est un giga délire. Ah, dommage. Bien joué à lui. Même le soin qu'il a, hein. Le soin qu'il a sur les vertes, les gars, on n'en parle pas assez de ça. Hein. Il a main lui, je sais plus. Non, il a pas main, je crois. Là, je teste un peu les dégâts hein, aussi. Surtout ça, c'est la première vidéo, je m'amuse un peu. Pas plus le combo, me faire kiffer. Yaruka! Ok. Bah écoutez, on aura globalement tout montré. Hein. Et très bon personnage. Excellent. Hein. Moche. Bon, cette pose, elle est horrible! Ouais, la game est très très bonne, même le sien, hein, le sien m'a... Bah, il est 6 étoiles et il m'a quand même envoyé des gigatartes, donc ouais, très bonne game, on terminera sur ça les gars. Donc beaucoup de game, en réalité, dans ce test. Le perso est monstrueux, hein, comme on a pu le dire, mais encore une fois, il est beaucoup trollé, hein, donc... Moi je vais avoir du mal à le jouer, je vais pas vous mentir, mais ce qui m'empêche pas de dire qu'il est genre juste beaucoup trop fort. Voilà. N'hésitez pas les gars, max de pouces bleus, petit commentaire. Évidemment, là c'est la team pour la mise en avant des dégâts. C'est pas la team qui est la plus forte pour le Gohan. Ça, ça va arriver après. Vous inquiétez pas, avec du Super Végéto, avec du Gohan Ultra, etc. On n'est pas prêt, donc...